Nous sommes réunis aujourd'hui, 22 juin 2022, à l'occasion des 60 ans du crash du Boeing qui a eu lieu à Dieppe, ici même sur le monde d'Odan. C'est l'une des rares, des très rares tragédies aériennes pour lesquelles il y a encore cette chape de plomb, ce secret défense, on va dire, et pour lequel aucune conclusion officielle n'a été rendue à ce jour, si ce n'est qu'un arrêt datant du 5 mars 1979 de la cour d'appel d'Amiens, incriminant l'équipage et singulièrement le pilote. Quand on interroge aujourd'hui, quoi de plus un moyen, on lui dit 22 juin 1962, ça lui dit rien. Et parce que nous n'avons pas d'éléments qui nous permettent de marquer cet événement qui, lui, par contre, aura laissé des traces qui sont extrêmement fortes chez les personnes de cette génération. De plus en plus, on déclassifie certains dossiers auxquels on n'avait pas accès. Et j'ose espérer, en tout cas, en tant que président, que le secret total soit levé sur cette tragédie aérienne. Nous avons tenu à le faire par des manifestations, mais aussi par un ouvrage qui va reprendre tous les éléments que nous avons pu recueillir depuis environ une quinzaine d'années. C'est une étape qui va nous permettre d'aller plus loin dans cette quête de vérité qui est indispensable. Nous sommes persuadés que nous devons inscrire la Guadeloupe dans son histoire, dans ce devoir de mémoire qui est le nôtre aujourd'hui, et aussi de recherche de la vérité. Et à travers tout cela, nous devons transmettre aujourd'hui à nos enfants des valeurs et notre histoire. Toi-même ? Oui, je suis sur la terrasse. Qu'est-ce qui J'ai entendu un gros bruit. Faites attention, hein. Et soyez vigilants. Ne t'inquiète pas, rentre à la maison et ferme les portes. Arrivé devant la maison de Jean, il l'appelle. Nous avons tout de suite inscrit cette commémoration sous le signe de la transmission. Pour que l'oubli ne puisse pas s'emparer de cet événement et pour que les générations futures, les jeunes générations, sachent que ici, un 22 juin 1962, un Boeing s'est écrasé au Dodan de Dieppe et qui a eu 113 victimes. Je sais que le souvenir ne va pas s'arrêter là et que dans le futur, parce qu'on dit que la mort, en fait, la mort survient quand on ne pense plus à la personne vivante. Il ne faut pas que la mort s'empare d'eux une deuxième fois. Il est important que la vérité éclate. Il est important aussi que nous puissions transmettre aux générations futures et aussi dire que plus jamais que ça ne se produise. 60 ans après, nous ne savons toujours pas qu'est-ce qui s'est passé ici à Dieppe. En tout cas, dans cette phase de recherche, le conseil départemental va prendre toute sa part. Je suis relativement satisfait aujourd'hui de voir que les choses avancent, même si notre but sans passion, c'est de rechercher scientifiquement la vérité. Et je terminerai en disant que il n'y a rien qui reste caché sous le soleil, comme le dit la Bible.